Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Moi ça va pas mal, comme vous avez pu constater, un petit arrivage de pop. Donc on a 2-3 petits trucs assez sympathiques. Donc avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est le petit carré qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas. D'activer la petite cloche aussi pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos. Et puis allez, c'est parti, suivez-moi. Je vous ai dit, petit arrivage de pop, enfin petit, je m'entends, il y en a quelques-unes hein, qu'on a reçues, dont une spéciale que j'attendrai un petit peu. Bon, on va commencer, on va pas traîner, on va commencer par celles qui sont pour ma part un petit peu moins bien, mais qui sont fort sympathiques aussi. On va commencer par celle-ci. Ça, c'est un petit clin d'œil pour ma femme parce qu'elle adore un certain Walt Disney qui est avec des chats. Hein, je vous laisse chercher. Mais je pense que vous aurez assez vite trouvé la référence. Qui s'appelle, c'est les Aristochats. Voilà. Donc je sais que j'en ai pas. Ils en ont fait chez EMP une édition spéciale. Voilà. Qui est en diamant. Et qui est exclusif. Donc voilà, c'est ce que je cherche un petit peu. De temps en temps, des trucs un petit peu exclusifs. C'est, je trouve que c'est plus sympa. Donc voilà, nous avons Marie en exclusif. Qui est totalement collection diamant, donc elle est toute pailletée et tout. Donc voilà, donc on va l'ouvrir, on va voir cette petite tête. Ah, elle est fort sympathique. Ah ouais, voici notre chère petite Marie des Aristochats. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, peut-être là en faisant comme ça. Vous voyez qu'elle est toute flaconnée de diamants. Elle est sympa. Moi, je l'aime bien. Elle est fort sympathique. Bon. Alors, je crois que c'est la première que j'ai de des Aristochats. Enfin, je regarde s'il y en a d'autres. Hop. Hop, hop, voilà. Après, effectivement, derrière, vous voyez, il n'y a rien. Donc, c'est peut-être la seule et l'unique exemplaire. On va espérer que ça ne soit pas le seul. Hein. Ensuite, on va rester un petit peu, avant d'attaquer les autres, on va rester dans l'univers Disney pour l'instant. Et ça, c'est vraiment autre. C'est de Pinocchio. Voilà, c'est ma première, ce que j'ai encore pas eu, évidemment, c'est aussi un clin d'œil pour ma femme parce qu'elle adore les petits chats. Donc, c'est Figaro et Cléo. Voilà. Donc, dans la même collection, on peut avoir encore la fée, nous pouvons avoir aussi Geppetto, Pinocchio évidemment, et Jiminy Cricket, évidemment. On va essayer d'en avoir aussi quelques-uns là-dessus. Alors, c'est pas une édition spéciale, c'est vraiment la basique. Mais je vais vous la montrer parce que je la trouvais vraiment sympathique. Hop. Donc on reste dans l'univers des chats évidemment. Hein. Voilà. Donc nous voyons, voici Cléo et Figaro. Donc évidemment Figaro c'est le chat et Cléo c'est le poisson. Hein. Ils font un petit câlin. Là. Franchement, elle est sympa, elle est fort sympathique. Moi je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvé vraiment cool. Voilà. Après, je sais pas s'ils ont sorti des spéciaux aussi là-dessus, donc faudra que je fouille un petit peu, mais voilà. Ensuite, on va rester, avant d'attaquer des trucs un peu plus spécifiques, on va rester dans celle-ci aussi. C'en est une que j'attendais depuis longtemps, que j'ai réussi à enfin trouver. Alors, là, malheureusement, vous ne les voyez pas, mais je vous ai dit que j'avais, il n'y a pas longtemps, reçu des pop qui datent. Les Tortues Ninja, voilà. On va y aller droit au fond. Hein. Les Tortues Ninja. Et j'avais évidemment déjà toutes les tortues. J'avais aussi Casey Jones. J'ai reçu aussi spécialement, en édition spéciale, April O'Neil. Et évidemment, il en manque quand même. Pour moi, il manquait encore Splinter de base. Il manque Bebop et Rocksteady et Shredder. Bebop et Rocksteady, j'arrive pas à les trouver. Shredder, non plus. Par contre, j'ai réussi à avoir
Splinter. Voilà. Donc, c'est une édition spéciale aussi, comme vous pouvez voir ici, hein. Voilà, elle est en édition spéciale. Donc, on va voir ce qu'elle vaut. petit chat dans la gorge. Non, je ne l'ai pas mangé, mais j'ai un petit chat dans la gorge. Ah, elle est sympa. Une bonne tête. Là, c'est du Splinter tout craché. Donc, voici Splinter, des Tortues Ninja, avec son joli kimono, sa canne, évidemment, qui lui sert de bâton d'attaque aussi. Elle est sympa. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est cool. Voilà. Hop. Donc, pour l'instant, je crois que tout ce qui est Tortue Ninja que j'ai pu trouver, je les ai. Voilà. On essaiera d'en avoir d'autres si on arrive. Mais c'est pas sûr. Bon, on va rentrer dans un petit peu plus complexe. Alors, je pense que tout le monde connaît, hein. Il y a une certaine série qui passe un peu partout, sur Netflix, voilà. Et il y a un des protagonistes qui s'appelle le professeur. El professeur. Et oui, bah oui, comme vous avez compris, je parlais de la Casa del Papel. Voilà. Donc, il y a pas mal de personnages dans cette série. Et j'ai réussi à en trouver une. Je pense que les autres doivent se trouver, évidemment, mais je sais pas, on va dire, ah, ok, d'accord. J'ai pas forcément cherché. Mais j'ai trouvé le professeur, voilà. Le voici, hein. Donc dedans, nous pouvons encore avoir, là où comme vous pouvez voir, il y en a une ribambelle. Donc dans cette même collection, on peut encore avoir Nairobi, Rio, Moscou, Oslo et Helsinki. Donc c'est les personnages de base. Donc bah, on va voir si on arrive à trouver la collection, parce que franchement, j'ai regardé cette série, je l'ai encore pas fini, je vous l'avoue, mais franchement, elle est fort sympathique. Donc si vous pouvez, allez la regarder, hein. Alors, je l'ai pris vraiment parce que c'est un des déguisements qu'il a dans la série qui est juste monumental. Voilà, le professeur déguisé en clown. Voilà, voici la tronche de la pop du professeur, et franchement, elle est hyper stylée. Je l'adore. Elle est... Voilà, si vous, vous voyez le professeur là en pop, dites-vous que dans la série, c'est la même chose. Il est déguisé pareil. Elle le pète, elle est magnifique. Et le pire, c'est que c'est pas une édition spéciale. C'est vraiment une basique. Voilà, donc maintenant, nous avons encore trois petites pop pour aujourd'hui. On va commencer par une exclusivité, voilà, là, qui est un peu plus grosse que d'habitude, hein, voilà. Donc, c'est une exclusivité, donc, dedans, c'est lequel que j'ai. Ça a l'air d'être Gohan, Son Gohan, évidemment, de Dragon Ball Z, mais en plus, voilà, en plus, vous voyez, c'est une exclusivité, et en plus, il est, je sais pas si on le voit là, non, nous avons un t-shirt, et en plus, il est, il brille dans le noir. Bon, alors, on va ouvrir ce petit paquet, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, nous avons une pop et ceci. Donc, on va déjà déballer cela pour voir. Donc, nous avons un t-shirt, voilà, que vous pouvez voir. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Et franchement, hein, regardez-moi ça, il est pas stylé, hein, avec Gohan dessus. Franchement, moi j'ai pour une ouverture Dragon Ball, il n'y a rien de mieux. Donc, on va prendre notre petit... Ah si, en plus, ouais, il est marqué aussi en édition spéciale ici. Donc dedans, nous pouvons encore avoir Vegeta, Trunk, bah évidemment Goku, Piccolo... Freezer Mecha, c'est quand il s'est fait dézinguer par Goku, puis il revient après sur Terre mécanique. Nous pouvons avoir aussi Krillin, Bulma et l'androïde numéro 16. Donc on va ouvrir notre cher petit Gohan.
où c'est quand il se transforme en Super Saiyan 2. Hop. Ah ouais, elle pète. Elle pète parce que déjà de 1, c'est Gohan, voilà. Mais vous pouvez voir tous les petits éclairs bleus de la puissance qu'ils ont réussi à intégrer sur lui, entre les cheveux, sur sa tunique aussi, vers les pieds. Franchement, elle est magnifique. Voilà, notre cher petit Gohan. Si j'arrive, j'essaierai de vous faire une petite vidéo, une petite photo quand il brille dans le noir. On va essayer, parce que normalement, il est glow in the dark. Hein, donc, voilà. Ce sera un petit test à faire. Donc voilà. Bon, maintenant il nous en reste plus que deux. Bah oui, je vais quand même garder mon cher petit t-shirt de Gohan. Hein. Nous en avons deux autres vraiment en édition spéciale. Il y a quelques temps, je vous ai déjà montré qu'ils avaient sorti une série spéciale, les pop art, les art séries, voilà. Donc ils prenaient des personnages où ils faisaient. Ils étaient dans une autre couleur, voilà. Donc nous avons encore deux ici, voilà. J'ai réussi à m'en procurer deux autres, voilà. Évidemment, c'est toujours Mickey. Alors, si jamais j'avais déjà Scooby-Doo, la même chose, j'avais aussi Mickey en sorcier et Jack Skellington. Donc là, nous avons deux Mickey. Alors, on va en ouvrir hein, tout de suite pour voir comment il est. Hop. Voilà, on va ouvrir la petite boîte de protection plastique dur, qui est fort sympa. Alors, nous pouvons encore avoir on peut avoir le Mickey, je vais vous montrer, derrière, voilà. Tout ceci, c'est ce que nous pouvons encore avoir. Il y a le sorcier, ici. Nous avons le Brave Little Taylor, le conducteur d'orchestre, le capitaine de bateau et le pompier. Alors, à l'heure actuelle, pour l'instant, le seul que j'ai, c'est le Mickey sorcier. Donc là, maintenant, j'en ai un deuxième, c'est le conducteur d'orchestre, qui est celui-ci. Voici Mickey en chef d'orchestre. Voilà, j'ai cherché le mot tout à l'heure. Et voilà. Franchement, alors, ça reste en Mickey de base. Il n'y a pas de souci, je vous l'accorde. Mais moi, je trouve magnifique les couleurs qu'ils l'ont donné. Et en plus, voilà, vous avez les notes de musique incrustées dessus aussi, qui sont fort sympas. Voilà. Hop. On va ranger le petit Mickey. Dans sa petite boîte de protection, hein, parce que sinon, ce serait dommage. Hop. Et nous arrivons, malheureusement, bah oui, à la dernière pop pour aujourd'hui. Toujours en Mickey. Sur la Art série, évidemment. Hop. Et celui-ci, c'est quand il est capitaine de bateau. Alors, c'est les tout premiers, je sais pas si vous les avez vus, c'est les tout premiers quand ils sont encore en noir et blanc, où il est sur le bateau, puis vous voyez, il est comme ça, puis il siffle. Voilà. Donc, là, voici la première, Mickey en capitaine de bateau. Alors voilà, en plus ils ont respecté, ils n'ont pas mis en couleur, ils l'ont bien fait en noir et blanc, enfin noir et gris plutôt là. Voilà, avec le gouvernail, vous voyez aussi sur l'oreille, ils ont dessiné un gouvernail. Franchement, elle est fort sympathique aussi, celle-ci, je l'aime beaucoup. Enfin, les pop qu'ils ont fait en série art, en art série, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment propres, je les aime beaucoup, elles sont vraiment chouettes. Alors, hop. On va la rentrer là-dedans. Et retour là-dedans.
Bon bah voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu. En plus j'ai eu un droit à un nouveau t-shirt tout beau, tout propre, voilà. Donc si cela vous a plu, bah n'oubliez pas de partager, de vous abonner à ma chaîne. Et puis on se voit tout bientôt. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao.